Ben là, on est devant l'entrée de l'hôpital. Ça a beaucoup changé. Le pont central est le même, l'entrée principale est à peu près la même. Mais tout le reste a été construit. Comme tu vois, ma chère Marie-Pierre, on ne m'a pas laissé filmer à l'intérieur, désolé. Mais bon, je vais continuer à filmer à partir de ma voiture. Je vais essayer d'aller vers le bas. Là, on est sur les hauteurs de l'hôpital. Hein. Je ne sais pas si tu reconnais. Nous avons la caserne qui est en face, à droite. Tout a été construit, comme tu peux le voir. La ville a complètement changé, complètement défigurée. Ouais. Voilà, tu as la caserne en face. Ils ont fait des découvertes archéologiques et comme tu vois, il y a une barrière tout autour. Ouais. Voilà l'hôpital, vu de l'extérieur et de la voiture. Le bâtiment que tu vois là-bas, c'est la Pinède. Ouais. Alors, là je me dirige vers le centre médico-scolaire. Médico-scolaire, oui, c'est bien ça. Il a aussi changé. Voilà. Voilà, centre médico-scolaire. La fameuse école d'infirmières. C'est l'hôpital vu par le bas. Hein. Voilà, tout a changé, vraiment tout a changé. Hein. Voilà, ça c'est le centre médico-scolaire. Là je vais vers le... Tu sais, les eaux et forêts, ça a été entièrement refait, tout reconstruit. Donc là, je suis sur les hauteurs de la Pinède. Hein. Désolé pour l'hôpital. Ouais. Bon, là, c'est les hauteurs de la Pinède. Donc c'est là où il y avait l'hydraulique, il y avait... Ouais. Ça a beaucoup changé. Là, je vais tourner. Alors tu vois, là je suis à la limite. Derrière, il y a la carrière. Voilà, regarde-moi ça. Les belles villas qui ont été construites. Ouais. Alors je fais demi-tour et je redescends vers la ville. Descendre vers le quartier, disons la rue du docteur Aubry. Même là, avec le portable à la main, en voiture, si je me fais prendre, c'est une suspension de 6 mois de permis. Voilà, je descends et je vais aller vers, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait le petit jardin. Et le quartier juif. Ben là, je vais vers le jardin Barral pour arriver enfin à la fontaine monumentale que l'on appelle maintenant Ein Fuara. Voilà. Ici, c'est la salle des fêtes des juifs, si tu te rappelles. Juste à côté, il y a la synagogue, voilà, qui a été transformée en mairie. Alors là, c'est le quartier du Jardin Barral, ils ont mis tous les cordonniers ici. C'est devenu un quartier, une échoppe. Voilà. En face, il y a le beau Jardin Barral. Et la fontaine monumentale en bas. Voilà.
Ça, c'est le vieux quartier, c'est le quartier historique de la ville de Sétif. Je sais pas si tu reconnais. Alors là, c'est le jardin Barral, hein. Tu le vois, avec sa statue au milieu. Ouais. Alors regarde ce qu'ils ont fait. Tout a changé, tout a changé. Alors sur l'autre côté, ils ont construit des hôtels. Voilà. Et là, je vais vers le centre-ville, hein. Vers Ayn Fouara, la fontaine monumentale, avec la vieille mosquée de la ville. Voilà. Alors là, tu es à Ayn Fouara. Là, voilà. Bon, je m'arrête là parce qu'il y a un flic qui n'est pas très gentil à côté. Je te fais un gros bisou, je te transmets mes amitiés à toi, papa, et à Marie-Christine. Au revoir.